Obama doit se réinventer. Par Pierre Rousselin Prousselin @lefigaro.fr. En tant que président sortant, porté il y a 4 ans, par une immense vague d'espoir, Barack Obama aurait dû être assuré d'obtenir un second mandat, le 6 novembre. Ce n'est pas le cas. Au lendemain d'une convention républicaine pourtant décevante pour Mitt Romney, la bataille est toujours serrée, avec seulement un léger avantage à Obama, à 9 semaines de l'élection. Celle-ci se jouera sur l'économie. La croissance est atteinte et le chômage élevé. Les classes moyennes vont voter en pensant à leur portefeuille. Le pessimisme ambiant n'incite pas à reconduire l'équipe en place, accroît l'instabilité de l'électorat, et rend le résultat imprévisible. C'est dans des conditions semblables que Bill Clinton avait chassé de la Maison Blanche George Bush père à l'issue d'un seul mandat. Après le retentissant IWE camp de 2008, l'Amérique est redescendue sur Terre. Avec un bilan décevant, Obama a préféré, jusqu'ici porter le combat, sur le terrain de son adversaire, multipliant les attaques contre la personnalité de Mitt Romney. Même sur le campagne, les démocrates n'ont plus l'avantage qu'ils avaient creusé il y a 4 ans grâce à la multiplication des petites contributions. Cette année, Wall Street se mobilise pour Romney, et les républicains profitent à plein de la décision de la Cour suprême de lever les restrictions sur les dons des grandes entreprises. Sur la défensive, le président sortant doit mobiliser sa base électorale. D'où son appel risqué en faveur du mariage homosexuel, une proposition aux antipodes du programme très conservateur de son adversaire, qui traduit la course aux extrêmes caractéristiques de cette campagne. Obama ne gagnera pas deux fois de la même manière. Faire rêver ne suffit plus. Il doit convaincre les Américains qu'il est capable de conduire le pays à travers une période d'autant plus difficile qu'il n'aura pas de majorité au Congrès et que les seconds mandats sont toujours plus délicats. La convention démocrate est pour lui la dernière occasion de prouver qu'il y a un autre Barack Obama. Obama doit se réinventer. Par Pierre Rousselin Prousselin @lefigaro.fr. En tant que président sortant, porté il y a 4 ans, par une immense vague d'espoir, Barack Obama aurait dû être assuré d'obtenir un second mandat, le 6 novembre. Ce n'est pas le cas. Au lendemain d'une convention républicaine pourtant décevante pour Mitt Romney, la bataille est toujours serrée, avec seulement un léger avantage à Obama, à 9 semaines de l'élection. Celle-ci se jouera sur l'économie. La croissance est atteinte et le chômage élevé. Les classes moyennes vont voter en pensant à leur portefeuille. Le pessimisme ambiant n'incite pas à reconduire l'équipe en place, accroît l'instabilité de l'électorat, et rend le résultat imprévisible. C'est dans des conditions semblables que Bill Clinton avait chassé de la Maison Blanche George Bush père à l'issue d'un seul mandat. Après le retentissant IWE camp de 2008, l'Amérique est redescendue sur Terre. Avec un bilan décevant, Obama a préféré, jusqu'ici porter le combat sur le terrain de son adversaire, multipliant les attaques contre la personnalité de Mitt Romney. Même sur le plan du financement de la campagne, les démocrates n'ont plus l'avantage qu'ils avaient creusé il y a 4 ans grâce à la multiplication des petites contributions. Cette année, Wall Street se mobilise pour Romney, et les républicains profitent à plein de la décision de la Cour suprême de lever les restrictions sur les dons des grandes entreprises. Sur la défensive, le président sortant doit mobiliser sa base électorale. D'où son appel risqué en faveur du mariage homosexuel, une proposition aux antipodes du programme très conservateur de son adversaire, qui traduit la course aux extrêmes caractéristiques de cette campagne. Obama ne gagnera pas deux fois de la même manière. Faire rêver ne suffit plus. Il doit convaincre les Américains qu'il est capable de conduire le pays à travers une période d'autant plus difficile qu'il n'aura pas de majorité au Congrès et que les seconds mandats sont toujours plus délicats. La convention démocrate est pour lui la dernière occasion de prouver qu'il y a un autre Barack Obama.